principal. Flamme immortelle. Texte ancien. Des armures. Putain, 9. Oh la vache. Ouh, let's go. Pendant Fushimi, j'aimerais pouvoir me joindre à vous, mais malheureusement le Seigneur Le Sun m'a interdit d'aider Maître Tori. Je vous souhaite bonne chance à tous les deux. Ok. Mission principale. Wow. Château de Fushimi. Donc le truc, il est attaqué par des centaines d'hommes et de démons. C'est sympa. Ah, de l'eau. Là. Je sais que quand on est mouillé, on peut traverser les flammes. En gros, je pense que c'est raccourci ici. Ok. On a du stuff. Guerrier sans dégage de l'ouest. Guerrier de l'ouest de Yumi. Ah, c'est pas l'arc. Ah, sympa ça. Enfin bref, ouais. Pas mal, y a pas mal de trucs. On visite, comme d'habitude.
Oh la vache. C'est qui m'a... Ah, en bas, en face. Ah putain. Qu'est-ce que c'est que ça? Il a un truc sur la tête. Ah, sur le, dans le dos. Ça explose? Faudra qu'on apprenne aussi des nouvelles compétences, que j'ai plein de points, j'ai 36 points de mêlée, 12 points de ninjutsu et 17 de jutsu. Oh! Oh putain! Le feu fait méga mal dans le jeu. Quoi ça? C'est un ninja. Sympa cette mécanique de l'eau, j'aime bien moi. Par contre c'est dangereux mais sympa. Ça va, on risque rien, tout va bien. Par contre, il faut que je fasse une petite pause, 2 minutes, je reviens, je dois régler un truc avant qu'on continue plus loin. Désolé pour ça, j'aime pas mettre pause au milieu d'émission, mais c'est comme ça. À tout de suite, désolé.
On est reparti. Continue notre exploration. J'aime bien l'ambiance de cette map, de la mission. Les montagnes au fond. Ah ben ça c'est... Ça c'est de la résolution assez basse. Ouh, c'est quoi ça? Ah, c'est un putain de démon, fais chier. Ah. Voilà, voilà. Il est dur ce jeu. Ah putain, il reset. Ah non. Enfin, il reset, mais il a toujours la vie. La vie abîmée. C'est qui m'a vu? Oh. Il y a un mur, j'avais même pas vu. Eh, hey, tu te ramènes? Pas très malin, toi. Ah ah. Ok, il a pas aimé. Il n'y avait pas de tombe. La plupart du temps, il y a des tombes en disant que machin est mort d'une action neutre ou je sais pas quoi. Ça va où là? On est où? Ah, on est au début. Ah, ça c'est cool. On a fait un joli raccourci, ça va. Ça doit être encore un raccourci.
Oh, ça explose. Ok. Donc, certains, c'est des explosifs, en fait, qu'ils ont sur le dos. Intéressant. Oh, waouh, super. Salut toi, ça va? Ah. Ah, merde. Découpé par clan, ça éclate. T'es sérieux ce que... Tu fais quoi là? T'es sérieux? Bizarre des fois. Pierre d'âme, cool. Bon, si quelqu'un sait comment utiliser ces bougies à la con là, dites-le moi, hein, parce que je vois pas comment les utiliser. J'en ai que 10. Ça parle de tombe. J'en sais rien. Je me demande s'il n'y a pas des murs à faire péter. Ah! Oh putain, je suis trop intelligent, merde. Tout ça, c'est des réserves de poudre. Regarde, à l'intérieur, il y a de la poudre. Ce niveau me rappelle vraiment les débuts de Tenchu. Bon, je crois que j'ai tout. Je crois qu'on a tout pris. On peut avancer. On a débloqué tous les raccourcis aussi. Je pense qu'on est bon.
fait. Ok, alors démon, qu'est-ce que t'es? Ah, fais chier. Ça va. 126 est tombé dans l'eau. Merde, il a une grosse armure. On va essayer de le pousser dans le feu. Il a une grosse armure comme moi, donc on n'est pas stun quand on se tape mutuellement, c'est marrant. Par contre c'est très dangereux parce que j'ai pas l'impression de me faire taper, mais en fait je me fais défoncer. Là, comme là par exemple. Kabuto. Du 700 égal. Honneur du guerrier de l'Est. Ah non, c'est honneur du guerrier de l'Est là. Reste... Ah oui, non, c'est celui-là, c'est honneur du guerrier en fait qu'il me faut. Ouais, sans égal de l'Est. Non, c'est bon, c'est bon. Ouais, c'est ça, il faut qu'on change pour celui-là. On n'a pas les stats. Ouh, armure Kaido, c'est pas mal ça. Kaido Maru. Réduction de dégâts, dégâts de compétences, grondement de terre, concentration sur la bataille, hache. Ah, c'est pour la hache ça. Honneur du guerrier, ça fait 2. Ça fait 3. Avec 3 on peut... Ah ouais, avoir qu'un 7. Et 4. Ah, il nous manque le dos, le body. Et sûrement une arme. Je sais pas ce que c'est le tombeau Kiri, j'espère que c'est pas un... Ça sonne comme une lance en fait, j'espère que c'est faux. Restaure les PV. Ah mais c'est ça, tombeau Kiri, c'est... Ah oh, putain, c'est encore une lance, fais chier. Je crois que ce qui est bien, c'est qu'on peut la mettre en deuxième et utiliser que notre première arme, par exemple. Je crois que ça marche. Je crois que le 7 marche. Faut pas qu'on l'ait dans la main, en fait. On n'a pas besoin de l'avoir dans la main. Mais bon, c'est casse-couille, quoi. Putain, à chaque fois qu'il y a un bon 7, c'est toujours une lance. Ça fait 3 7, je crois. Ou c'est qu'il nous faut une lance. Ok, c'est pour monter, qu'est-ce qu'il y a d'autre?
partout. Je vais tenter un truc, mais je suis pas sûr que ça marche. Ou alors peut-être qu'on peut y arriver par un autre moyen. C'est de utiliser la l'arme vivante là, le mon spécial pour traverser. Mais je pense qu'il y a un autre moyen de le faire. J'ai l'impression qu'on peut tomber par-dessus. On va voir. Par le balcon en fait. Sympa le piège. Oh, il y a un truc. Hein? Ça se passe bien. Ouais, par là on peut passer, ok. Ah, il y a un truc à récupérer. Ah, j'ai le nez qui me démange, hein, putain. Putain de ta mère, quoi. Pas dans l'eau, pas dans l'eau, pas dans le feu. Ça va. Je sais pas exactement où je vais, mais. Ah, peut-être au début, je pense, non? Où est-ce qu'on est, bordel? Allez, ramène. On est au début ou on est là? Ou alors c'est le bon chemin en fait. Oh mon dieu, mais c'est trop grand, putain. C'est horrible. Ah, merde. Oh. Le feu. Ah,
Mais pas bon. En fait, là, je crois que je suis en train de faire le bon chemin. On va revenir après. On va revenir après. Parce que là, je crois que c'est le chemin principal pour aller à la... Où c'est qu'on doit aller, en fait. Je veux d'abord faire tout le... Toute la zone. On va pas s'arrêter maintenant. Ah, il y en a un truc, il y a un truc en bas. Est-ce que c'est un peu trop ou non? C'est de l'autre côté. Où est-ce que je vais là? Ah oui, il y avait un... Putain. Désolé, je me perds un peu, mais j'ai pas envie de louper des trucs, en fait. Il y avait un truc avec le feu. On va voir ce qu'il y a au milieu, au centre, là. On peut passer? Non, on peut pas passer. De la réserve, cool. Oh, vite, vite, vite. Oh, j'ai appuyé sur le mauvais. Mauvaise touche. Ok, on a la clé de la réserve, ça c'est bien. Enfin, je présume. Je sais pas où elle est la réserve, mais bon. Qui c'est qui brûle? J'en sais rien. Ok. Yeah. Room 1. Putain, elle m'a fait peur, ce con. Comme les roues de Dark Souls, les squelettes. Exactement la même chose.
vache. On n'a pas récupéré. Ah non, c'était lui, j'ai rien dit. On n'a pas récupéré le stuff du mec qu'on a tué. Oh la vache, écoute ça. Chiante là. Ok, on a... Ah, voilà. Si jamais ça fait péter des murs. Pas trop fait attention, mais je crois pas qu'on ait tous les Kodama encore. Non, là-bas, à droite. Longue mission. C'est sympa de pouvoir changer d'arme en combat. Mmh.
Oh merde, on est où? Ah ok. Château qui tombe en ruine. Et qui est légèrement un putain de labyrinthe par la même occasion. On est où là? Ah oui, le démon et après il y a l'effondrement. Je mets mes points de compétence après la mission. Parce que j'en ai pas mal là. Merde! Non! Ah! Bon, on a trouvé un autre endroit. Tu vois. Non. Ouais, je vais balancer mes points de compétence après la mission. Ok, on est en train de tout. Yes! On n'aura pas besoin de rester. On a ouvert le passage. Faut qu'on trouve des. Enfin, faut que je trouve. Il y a des parchemins assez intéressants. Genre le parchemin. Pour ralentir les monstres. Ça serait vachement. Ça serait vachement bien pour les gros monstres en fait qui font très mal. Déjà ils tapent pas très très vite, mais bon des fois ils sont chiants quand même. Et genre on pourrait ralentir leur mouvement, ça serait bien. Il y a ça que je veux. Après, je sais pas trop. Après, je sais pas trop. Il y a plein de passages, oh la vache, c'est le bordel. Ok. Ah oui, peut-être pour briser la défense de l'ennemi. Genre pas briser, mais genre baisser la défense. Pour être pas mal, quand on a besoin de faire très mal très vite. Faut qu'on regarde s'il n'y a pas ça. Il y a un trou en haut. Ouais, il y a quelques trucs quand même qu'il faut qu'on débloque. Ça nous aidera. Où est-ce qu'on est? Ah mais il y a combien de raccourcis dans cette maison? Ça c'est pratique pour ceux qui rejoignent en fait la coop par exemple. Si on... Les gens ils viennent un peu tard, si on ouvre tout, c'est assez facile pour eux pour rattraper, c'est bien ça. Qu'est-ce que tu me fais le jeu?
Ok. La manette a plus voulu marcher pendant 2 secondes. Il nous faudrait de l'eau pour passer. Oh. Je crois que je t'avais pas vu ou quoi? On peut quand même esquiver hein, quand on vise. Ça c'est pas mal. Hein. Par contre quand on tire, non. Quand on tire, il faut qu'il recharge et tout ça. Ah ah. Avec eux, je prends pas de risque parce qu'ils font quand même assez mal. C'est pour monter. Ah bah voilà. Est-ce que c'est la fin? Merde, j'ai pas tous les trucs, je crois. Antamo, unga nai ne. Urami wa nai ga. Shinde mo. C'est quoi, un archange ou quoi? Quoi cette merde? Il me rappelle celui-là dans Onimusha 2, je crois. Qui utilise des armes. Par contre, il fait mal quand même. Hein. Oh la vache. J'ai pas le temps de me soigner, c'est cool. Ah, sympa. Ok, ça change un peu. Par contre, le chemin le plus court, c'est quoi? C'est là? On n'a rien vu, il s'est rien passé. Ah, les Kodama, j'ai pas activé les Kodama non plus. Je crois qu'il faut utiliser l'eau pour passer le feu, c'est un raccourci. Genre là. Ah. Putain, par où on passe?
Cherche les escaliers, s'il vous plaît. Oh la vache! Excusez-moi, les escaliers, c'est passé là. Putain! Ah, t'es sérieux? Si on arrive à le pousser dans le feu. Ah ouais, carrément. Pâche. Ah putain. Y a pas un meilleur passage parce que on peut pas. Ah non, c'est par là. Ce passage, il est un peu craignos quand même. Non. Putain. Là-bas. Oh la vache. Alors ça c'est un nom. Oh pas mal ça. Ouais, parce que là je vais. Non, c'est bon. Fait chier parce que là maintenant on a plus notre spécial et c'est le combat, il était pas si mauvais que ça quoi. On était bon. Là-bas. Ils sont énervés, hein. Putain. Mm-hmm.
Merde. Ah, fais chier. Je veux le pousser dans le feu, moi. J'ai l'impression de jouer contre Stefano de Evil Within. Sympa, sympathique le combat, j'aime bien, j'ai bien aimé. This castle will fall. Run while you can. Nario, you tell Chimie,
共に戦った間柄、今さら言葉など入り申さぬ。殿が太平の世浄土より見守らん。 Suzaku, le l'oiseau de feu, c'est un peu comme le phénix, mais au Japon. Suzaku. Oh, il est mort. Le seigneur est mort. Il y en a tellement des dieux, putain, c'est abusé. Des protecteurs. Alors, le katana et le... C'est con qu'on puisse pas les checker maintenant, en fait, dans cet écran-là. Faudrait qu'on puisse regarder ce qu'on a récupéré directement, en fait. Mission l'invincible. Ah ben putain! On a des choses au dojo, la vache. Alors, fais voir un peu. Guerrier légendaire de Mikawa. Ouh, ça c'est bien parce que ça c'est un katana. Nous on utilise les katanas, ça peut être pas mal. Réduction de dégâts, attaque de mêlée critique. Oh putain, merde. Putain, 8 sur 9. Oh, ça je le referai plus tard. 8 sur 9 des Kodama, fait chier. C'est quoi critique? Augmente les dégâts de mêlée lorsque vos PV sont faibles. Ah, ok, d'accord. Ok, ok, ça marche. Après, 4 pièces, on a dégâts de mêlée. 5 pièces, on a... Augmente votre attaque et votre défense quand vous êtes imprégné de l'esprit gardien spécifié. Suzaku, donc il faudrait changer pour l'oiseau. Ki plus 10. Augmente tous les effets spéciaux qui se déclenchent quand votre jauge de vie est basse. Les effets spéciaux. Je sais pas ce que c'est. Enfin, on n'en a pas en tout cas. On n'en a pas. Non, on n'en a pas. Hein. On n'a pas d'effets spéciaux qui se déclenchent quand notre vie est basse en tout cas. Nouveau 90-98. Armure de fanatique. C'est une armure moyenne. Il y a deux poids à côté du casque. C'est moyen. Effet de l'élixir sur la restauration. Restauration de PV plus 4. Ouais. Munition. Ah, voilà, ça c'est un. Ça, bah, ça je crois que c'est le set du mec qu'on a combattu. Genre. La réduction des dégâts, restauration de PV dans le 1000. Donc je pense que c'est quand on tire. Une arme à longue portée. Dégâts de mes ciblage auto point faible. Ciblage automatique de point faible d'un ennemi quand vous verrouillez la cible. Elle est en vue à la troisième personne. La commande ne se déclenche pas si l'ennemi n'a pas de point faible. Oh, ça c'est cool ça. Munitions illimitées, peu importe le nombre de flèches, balles, munitions que vous utilisez, vous n'en dites jamais. Plus 20%. Je suis sûr qu'on peut faire un set. Putain, faudrait que je le fasse. Faut vraiment que je le fasse. On va la garder cette armure. Style Shinkage Yagu. C'est quoi ça? Dégâts de mêlée. Extension de la fenêtre de parade.
réduction de dégâts. Il y a plein de sets, c'est franchement très intéressant les sets, hein. Ça change, ça peut vraiment changer le la façon de jouer. Parce que là, ça donne une habilité spéciale, donc son truc. Ça donne le ciblage automatique. Des points faibles. C'est vraiment bien, ça. Putain, je vais faire des plein de sets différents. Ça va être super. Ça va être énorme.